En ce moment, c'est Halloween, alors pourquoi pas faire un défilé de mode sur ce thème? Je vais donc organiser un énorme concours avec 50 abonnés sur une map où le gagnant final repartira avec 5000 V-Bucks. On verra les meilleurs stylistes et ceux qui ont les meilleurs skins dans le thème d'Halloween dans leur casier. Je veux voir des trucs effrayants, des trucs bien badass. J'espère que je vais être servi. De votre côté, je vous rappelle un truc super important. Quand vous êtes dans Fortnite, c'est d'aller dans la boutique d'objets, de cliquer sur soutenir un créateur et d'entrer le psychote créateur WazZZ4Z. Un grand merci à tous. Sur ce, on les rejoint. Nous voilà donc sur la map avec tous les abonnés. Je vais vous donner le premier thème. Faites attention parce qu'il peut avoir autant d'éliminés que je veux. Si votre skin est bien, bah vous resterez en vie. S'il est nul, vous irez au lobby, ok? Donc là, cette fois, je veux un skin effrayant. Vraiment un truc qui ferait peur à ma petite sœur, ok? Vous avez 30 secondes, bonne chance les gars. Il y en a qui ont déjà terminé, qui sortent de leur cabine. Il vous reste que quelques secondes. Ok, stop, tout le monde sort. On va commencer par ici. Alors toi, t'es parti sur un petit zombie. Ok, sympa ton sac à dos. Wesh, attends, montre. Ah, son cerveau, il ressort, il est tout ouvert. Ah, j'avoue, il fait bien peur. Le sac à dos, il te carie. Tu restes en vie. Le suivant, c'est une grosse citrouille couleur chrome. Ok, je vais faire le tour. Ouais. Franchement, t'es dans le thème. Il y a un œil sur ta pioche, il me regarde mal. Je vais pas te tuer. Ah, toi, t'es BG, mon gars. Par contre, est-ce que t'es effrayant? T'as peur ou pas, le monteur? Pas du tout. Ouais, moi, je sais pas quoi en penser. La citrouille, c'est vrai que ça fait bien thème Halloween, mais est-ce que ça fait réellement flipper? Et toi là, je le tue ou pas lui là, à côté là? Oui ou non? Oui. Ah, désolé mon gars. Alors là, on a un tout nouveau joueur. C'est un perso de Squid Game ça. Eh, fais pas de danse, fais pas de danse. Est-ce qu'il est effrayant? Bah non, désolé. Cette fois, on a le skin nomade, mais revisité. Regardez juste ses dents. Ah, ça me dégoûte. Il a son petit sac à dos. Non, t'es bien dans le thème. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Tu restes en vie aussi. Vas-y, refais là. Tu me fais plus rire qu'autre chose, mais vas-y. C'est bien d'essayer. Ah ouais, mais y a combien de skins effrayants sur Fortnite? J'avoue, il fait flipper lui, hein. Tu le croises à l'entrée d'une forêt, t'as pas envie d'y aller, mon gars. Vas-y, bien joué. Ah, mais ouais, c'est de les mêmes. Eh, venez l'un à côté de l'autre, vous allez juger ensemble. Alors, au niveau des sacs à dos, lui, il a des burgers. Ah, je crois que c'est des têtes des gens qu'il a tués. Ah, c'est gore. Et toi? Waouh, c'est un crabe quoi. Aïe. Désolé mon gars, t'es pas le survivant. Là ici nous avons un petit pirate. Ouais. Il a une barbe blanche comme Père Noël, il a l'air trop gentil. Je suis désolé. Oh non. Oh les sourires comme ça, c'est ma phobie, regardez. Ah non, non, je suis désolé. Je te fais pas de câlin et je te tue pas non plus. Nouvelle personne, pas de sac à dos. Je valide pas mon gars, sorry. Nous avons droit à un petit vampire. Alors vu comme ça, t'as l'air d'être assez classe. C'est pas vraiment super super flippant. Je suis obligé de t'éliminer. Nouveau joueur, cette fois des couleurs un peu plus vives. Ouais, c'est un skin un peu tryharder, je dirais. Mais bon, oui, t'as du maquillage, c'est bien, mais ça suffit pas. Allez, casse-toi. Ouais, ça non plus, hein. Le monteur, je pense, on est d'accord. Ouais, ouais, bref. Ah ouais, ouais, ça sort. Quoi, pareil. On est en train de faire un petit carnage. Wesh, il a la crête à Mario Balotelli. Ah ouais. D'un côté, j'ai envie de te tuer parce que tu fais pas très peur. Mais d'un autre, elle a quand même une sale gueule. Hein. Ce skin, tu l'as mis que pour le défilé ou tu le mets aussi en vrai game? Ah oui, mais il peut pas me répondre. Tada. Oh damn. Alors, au niveau de sa pioche, c'est des os. Est-ce que c'est les os de Joe le monteur? Oui. Alors, tu restes en vie, mon gars. J'espère que tu l'as massacré. On sera tranquille. T'es sérieux? Alors, wesh. Oh, c'est ma reproduction, les gars. Il a les mêmes muscles que moi. Vas-y, juste pour ça, je te garde. En plus, t'as les yeux rouges. Ça fait bien flipper. GG. Oh. Ah ouais, non, c'est Venom, lui, je crois qu'il s'appelle. Ah non, il fait peur. Hein. Dommage, c'est que t'es pas mis un petit sac à dos, mais d'un autre côté, le skin suffit. Donc, je te garde en vie. On verra si t'es chaud au prochain tour. Toi, ouais, tu fais peur. T'as vraiment une tête effrayante. Soit on voit pas ton visage, donc ça va. Toi, fais une danse pour voir. Oh, ok, ok. Je te touche pas, même pas avec un bâton. Non, mais c'est quoi ce skin? Ah, mais il est beaucoup trop moche. Reste là, mon gars. Un loup-garou, ça c'est bien dans le thème. Ça fait toujours peur dans les films. Tu sais comment me faire craquer, toi, hein. Tu restes en vie. Lui, ouais, il a le sourire flippant. Mais c'est un lutin de base, c'est gentil les lutins, ça donne des cadeaux. Ah oui, mais non, quand même, il est... Ah oui, non, il est particulier ce lutin. J'ai pas envie de le croiser à Noël. Allez, je te garde. Toi aussi, ton sac à dos. Ah, le sac à dos est pas dingue par contre, hein. Je suis désolé. Celui-ci, sac à dos pas dingue non plus, pioche pas folle. Tu valides pas ton ticket pour la suite. Il est trop bizarre ce skin, c'est... Minounours, mi-tomate. Ah ouais, t'es vraiment moche. Toi. Ah ouais, tu fais bien flipper, c'est un vrai zombie ça. Ah, doucement frère. Toi. Aïe. Il me menace avec sa batte, c'est un malade. Wesh. Ok, ok, tu restes là, t'inquiète pas. Lui, non. Celui-là, non plus. Oh. Quoi, par contre, c'est peut-être ton sac à dos qui va te carrer parce qu'il est vraiment laid. En plus, t'as une tête un peu chelou. Vas-y, je te garde. Nouveau prétendant, nouveau mort. Allez, ça dégage. Toi, bah, Midas, c'est pas ce qui fait le plus peur. Toi non plus. Normalement, un skin de foot en game, ça fait peur parce que c'est très hard. Et en plus, tu l'as mis en version zombie. Du coup, bah, je te garde. Toi. Ouais, tu fais bien flipper, GG. Wesh. Tu vas casser ton piano en faisant ça, hein. Ça va? Ok. Bah, tu restes. On arrive à la fin. Sac à dos, bien flippant. Toi, sac à dos, bien nul à chier, je suis désolé. Toi, non. Bon, eh bien, on a terminé ce premier tour. On a fait quand même un petit carnage. On verra si vous êtes chaud pour la suite. Le thème suivant, ça va être. Monstre. Sortez-moi vos meilleurs monstres, les gars.
vous laisse encore 20 secondes pour changer votre tenue. Le temps est terminé, le deuxième round peut commencer. Cette fois, vous avez le droit de faire une emote pour vraiment être effrayant. Ok, soyez des bons monstres. Allez, à toi. Pourquoi tu me montes tes trois doigts? Après, j'avoue que t'es quand même assez monstrueux. Hein. Ok, c'est bon, c'est bon. Je n'attendais pas à ça. Alors là, je pense qu'il n'y a pas plus monstrueux que ça. À part moi sur Fortnite parce que je suis un monstre. Mais... Ouais, ça doit être ça. Voilà. Mmh, on dirait plus une sorcière. Non, ça passe pas. Ici, nous avons un petit zombie. Un zombie, c'est un monstre? Bah oui, je crois. L'emote en plus, elle va bien. Ouais, je te garde, mon gars. Il y a même un cube sort des masterclass par la suite. Allez, toi, vas-y, fais-moi ta petite danse. Non, je suis là. Hein. Allô? Allô? Oh! Il m'a fait trop peur, il a sauté. Ah, je suis désolé, mon gars, mais c'était la pire emote pour te mettre en valeur. Là, il allait me cuire un burger, le frérot. Allez, vas-y, à toi. Ok, t'avais les oreilles bouchées. Tu retires ton masque et tu fais flipper. Ah oui, ok, d'accord. Bah, GG. T'as quoi dans le ventre? Oh, il a une petite manette. Ça va, vous êtes fort? Non, toi, on dirait un petit ours trop mignon. Franchement, je te jure, j'ai envie de te faire des câlins, mon gars. C'est pas bien. Un monstre, normalement, tu veux pas l'approcher comme le monteur parce qu'il pue de la gueule. Aïe. A plus. Toi aussi, du coup, c'est pareil. Oh, ah oui, tu t'en doutais, Paul. Celui-là, on dirait qu'il a la dalle. Faut pas être devant lui. Donc, je me taille. Salut, la main. Alors, d'un côté, l'emote est vraiment stylé. Mais d'un autre, je trouve qu'elle va pas bien avec ta main, tu vois. Non, je suis désolé. Ça passe pas comme l'éclair. Allez, à toi. On dirait un personnage sur League of Legends. Le monteur affiche-le, il s'appelle Zed. Z-E-D. Juste parce que je l'aime pas sur LOL, t'es ban. Enfin, t'es pas ban, mais t'es mort. Salut, toi. Non, j'en ai marre de ce emote. Ça y est, c'est originaux. À toi. Ok, il me fait un petit rituel. Mon gars, j'ai la phobie des oiseaux. C'est pas le meilleur bail. Fais une autre. Il m'a dit GG. Bon allez, vu que tu m'as dit GG, je te garde. Salut. Wesh. Au revoir. À toi, petit panda. Ensuite, on a celui-là. Non, j'aime pas trop. J'aime pas. Est-ce que t'es un monstre? Il va me refaire un burger, celui-là. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? À toi. Non, je l'ai déjà vu, mon gars. Je suis désolé. Claqué au sol. Oh non, le sourire. Et le sourire, c'est pour en faire des cauchemars. L'avant-dernier joueur, c'est lui. Non, mais t'es pas un loup-garou. Mais sois dans le thème. Allez, on dirait plus un super-héros qu'un monstre. Hein. Ça suffira pas pour cette fois. Bon, eh bien, bravo à vous. Vous êtes qualifiés pour la prochaine épreuve. Je vous invite à tous venir devant moi. Vous êtes donc plus que 8. Pour diviser le nombre par 2, on va faire des battles. Vous deux, vous allez être l'un contre l'autre. Vous deux pareil et vous deux pareil. Donc je vous invite à aller vous mettre chacun devant le même casier. Donc pour le thème suivant qui va vous départager, je veux un skin effrayant mais qui paraît gentil à la fois. Genre par exemple un nounours à qui t'as envie de faire un gros câlin mais qui reste un nounours méchant. Je vous laisse 40 secondes. Pour le premier fight, tu me laisses parler toi, arrête ça. On a un petit chat tout mignon qui s'appelle Kit et à côté une citrouille qui a de belles couleurs. Montrez-moi vos sacs à dos. Ok, toi t'as juste mis un sac Avengers avec des petits picots. Et toi, comment il s'appelle lui? Il a des cartouches. What the fuck? Il est trop mignon. Bon, alors d'un côté c'est vrai que j'adore les chats, c'est gentil un chat, mais lui je sais pas, il m'inspire pas confiance. Comparé à celui-là qui est vraiment dans le thème Halloween mais qui paraît super cool. Entends-toi, est-ce que t'es cool? Oui, bah oui. Bah je suis désolé alors Kit. Aïe. Alors on a Monsieur Costard et on a un nounours. De base j'ai dit quand même quelque chose effrayant mais qui paraît gentil. Ça c'est pas du tout effrayant justement. À la limite ça c'est pour aller à un date le jour d'Halloween. Voilà, tu passeras pas à l'épreuve suivante mon gars. Pardon. Cette fois on a encore un nounours mais d'une autre couleur. Quelqu'un qui me donne de la thune. Toi t'as pas forcément l'air gentil avec ton gros casque. GG. Et pour terminer nous avons un petit chien. Il est trop cool avec sa petite écureuil. Et là on a la goule. Alors le petit chien, je veux bien, c'est un chien, mais est-ce qu'il est vraiment terrifiant de base? Eh, vous savez quoi, vous trois? Mettez-vous devant le gagnant selon vous, celui qui a deux votes gagne. La citrouille vient, allô? Ah, Eva la goule est éliminée, elle n'a qu'une voix. Ça sort. Bon, eh bien, nous avons les quatre derniers. Pour l'avant-dernière épreuve, ça va être un petit peu différent, suivez-moi. Cette fois, on va tout simplement juger votre planeur. Donc là, hop, il y a du vent, ça me permettra de voir votre petit planeur. Donc bah, allez le changer et mettez celui qui fait vraiment le plus flipper. Genre, tu vois ça? Ton spawn, t'as juste qu'une envie, c'est de te barrer. Vous avez pu choisir votre meilleur planeur. On va commencer tout de suite. Le chien, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Oh, un dragon. Pas mal. J'avoue qu'en général, cet animal, il est associé un petit peu à de la peur et tout. Donc, je te garde pour la finale. Bravo. À toi. Ah, une tête de mort. Ah ouais, c'est compliqué. Il y a des bêtes de planeur en fait. Vas-y, toi aussi, je te garde. À ton tour. Oh mais il fait peur aussi, mais je vais pas tous vous garder quand même. À toi. Là c'est des ailes. Non, je les trouve vraiment pas dingues. Je suis désolé. Bon, eh bien vous êtes tous les trois qualifiés pour la finale. Allez devant une cabine. Parmi vous trois, le grand gagnant repartira avec 5000 V-Bucks. De quoi s'acheter des beaux skins pour Halloween justement. J'espère que vous aurez tous le code créateur OASZZ. Pour le thème de ce dernier battle, ça va être le meilleur déguisement pour le soir d'Halloween. Genre si jamais vous voulez vraiment un truc dans le thème de fou pour avoir des bonbons, qu'est-ce que vous allez mettre? Bonne chance.
Alors d'un côté, oh, on a un vieux skin, le skin corbeau. Ah, ça c'est vrai que ça serait un sacré cosplay. Si un mec comme ça qui sonne à ma porte le 31, bah je crois que je donne des bonbons. Hein. Ok, on va voir les autres. On a une terreur fluo. Ok, pas mal, monte ton sac à dos. Sympa aussi, nickel. Et le dernier, ah il est bien flippant. Hein. Regardez, il a un masque et tout. Ok, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Alors parmi vous trois, le premier éliminé qui ne prétendra pas aux V-Bucks du coup, c'est... Aïe. Quoi? Je suis désolé Ninja ZZ. Ça va donc se jouer entre les deux derniers, lequel est le plus stylé. Alors pour être honnête, le corbeau selon moi c'est vraiment incroyable, un beau déguisement et tout, mais il faut quand même quelque chose de crédible, quelque chose que tu pourrais techniquement mettre le jour d'Halloween. Et lui il a juste un petit masque, mais il est bien dans le thème. Tu dégages. Et donc le grand gagnant, bravo. On va voir son pseudo et c'était Enzo. Non mais je rêve. Oh la proba de fou les gars. Bon bah GG. Bon et bien la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que le prochain défilé de mode ce sera pour Noël. C'est un thème aussi où il y a beaucoup beaucoup de variétés de skins. N'oubliez pas comme je l'ai dit tout à l'heure le petit code créateur WASZZ dans la boutique. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici. Ciao.